Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Alors vous le remarquez, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque je suis boulevard Haussmann à Paris avec Bruno Boulefkad. Salut Bruno. Salut David. Tu vas bien? Allez. Oh, il gèle hein, à Paris haut. Oui, il fait froid, très froid. Bon, aujourd'hui émission spéciale, donc pour une émission spéciale on va juste brosser les actualités économiques. Ça a été assez riche cette semaine. Donc attachez vos ceintures et on y va. On commence donc ces infos avec Chypre et le gouvernement chypriote qui vient de faire un cadeau empoisonné à sa population en acceptant un plan de sauvetage qui va précipiter Chypre dans la même spirale que la Grèce. L'accord prévoit une taxe exceptionnelle sur les dépôts bancaires supérieure à 100 000 euros, entre 4 et 20%. Alors c'était pourtant l'occasion rêvée pour Chypre de sortir de la zone euro et pourquoi pas de l'Union européenne et de laisser les banques faire faillite comme a su le faire l'Islande afin de relancer son économie. Mais bon, au lieu de ça, voilà Chypre et ses habitants agrippés à l'Union européenne. Bon, ceci n'est que le premier plan de sauvetage, évidemment, hein, nul doute qu'il n'y en aura d'autres, surtout si les Russes retirent leurs actifs, si les gens retirent leurs économies, forcément ça va précipiter le pays encore plus dans la dette, et il faudra bien sûr aller les secourir une nouvelle fois, la Troïka viendra les secourir à n'en pas douter. Alors, le plus intéressant, c'est que les témoignages des gens là-bas à Chypre, alors les gens qui étaient assez choqués, je pense, de ce qui leur arrivait et qui étaient quasiment prêts à mettre la main à la poche afin de renflouer leur propre banque, eux n'ont rien à voir, hein, la population chypriote n'a rien à voir avec la crise bancaire, mais bon, ils étaient prêts à renflouer leur banque et à mettre donc de l'argent de leur poche pour retrouver une situation, entre guillemets, normale. Alors bon, j'imagine que, comme je l'ai dit, ils sont sous le choc. J'avais aussi entendu des témoignages qui disaient qu'on va exploiter le gaz, maintenant le gaz découvert à Chypre, pour pouvoir rembourser les dettes. Alors ça, c'est un petit peu, ça me semble un petit peu crédule, puisque il suffit de lire le livre de John Perkins sur le témoignage d'un assassin financier qui dit bien que pour prendre le contrôle d'un pays, c'est maintenant, ça se fait par l'économie. Donc là, c'est ce qui vient d'être fait avec Chypre. On leur a prêté de l'argent qu'ils pourront jamais rembourser. Donc ils viennent de prendre le contrôle de l'île. Forcément, ils vont demander de privatiser les secteurs publics. Ils vont demander de pouvoir exploiter leur gaz. Donc les Chypriotes, avant même d'avoir commencé à exploiter leur gaz, on peut dire qu'ils l'ont perdu malheureusement. On continue avec Chypre et les banques qui ont réouvert donc timidement le 28 mars dernier. Alors pour la population, il a fallu attendre de longues heures avant de pouvoir rentrer dans la banque. Le retrait est limité à 300 euros par personne. Le transfert d'argent est limité à 3000 euros. Bref, on a pris des mesures drastiques pour éviter la fuite des capitaux. Mais la perte de confiance du système bancaire à Chypre, lui, est bien réelle. Alors pour relancer l'économie à Chypre, un fonds vient d'être créé. Ce fonds sera alimenté par des investissements étrangers, des dons des citoyens ou de la diaspora chypriote, des actifs d'État, voire de l'Église, ainsi que la vente de réserves d'or chypriote. Alors les réserves d'or chypriote sont estimées à 13,5 tonnes. C'est le braquage parfait. Alors selon Jacques Sapir, le prochain État qui sera en difficulté, ça sera l'Italie. Pour d'autres, on parle aussi de la Slovénie. Enfin bon, faites vos jeux, de toute façon rien ne va plus. Pour Olivier Delamarche, lui, il a dit que demain, il y aurait un défaut de paiement généralisé dans l'Union européenne. On continue avec ces infos. Alors, avec la Russie, alors bien sûr, les Russes ne sont pas contents puisque on leur a gelé leurs actifs. Alors, je pense que quand ils vont pouvoir, ils vont essayer de les retirer au plus vite. En tout cas, les officiels russes ont demandé à leurs ressortissants et à leurs entreprises de sortir du système bancaire occidental de toute urgence. Voilà la perte de confiance envers Chypre. Une autre info, c'est l'Espagne. Alors la banque espagnole Bankia, elle, ne vaut plus rien. Le titre Bankia a plongé de moins 52% à la bourse de Madrid. Et la valeur de l'action a été réduite à 0,1 euro. Waouh, à 0,1 euro, ça ne vaut absolument plus rien. C'est les actionnaires qui vont être contents, ça c'est sûr.
En Belgique, on fait un peu le tour d'Europe. En Belgique, une très bonne intervention encore de Laurent Louis. Lui, il a simplement demandé au Premier ministre belge d'assurer que les épargnants ne seront pas taxés, qu'on ne viendra pas leur piquer leur argent sur leur compte. Alors regardez l'attitude des parlementaires et la réponse du Premier ministre belge, c'est scandaleux. On se demande comment Laurent Louis arrive à garder son calme. La Finlande, elle, a appelé à épargner les contribuables de la zone euro dans les plans de sauvetage des banques européennes à l'avenir, estimant que les actionnaires et les créanciers devraient s'acquitter de la facture. Au moins, la Finlande, ils ont des bonnes idées. Alors, je cite, « Partout en Europe, nous devrions passer à une économie de marché normale dans laquelle les propriétaires et les investisseurs accusent des pertes en cas de faillite d'une banque », a déclaré le Premier ministre Jari Katainen dans un discours sur l'Europe. Il a souhaité que l'Union bancaire européenne, en cours de création, fasse un principe fondateur, sinon, je cite, « nous resterons dans la situation actuelle dans laquelle le contribuable paie des deniers la crise bancaire ». J'espère qu'il sera entendu par l'Europe, mais je crains fort que ce ne soit pas le cas. On continue. Alors, on va parler un petit peu de la France, puisque Jean-Marc Ayrault, lui, a annoncé la création de 2000 nouveaux postes à Pôle emploi. Alors, bravo, comme quoi le chômage, ça crée de l'emploi, 2000 nouveaux postes. Pour Olivier Berruyer, je cite ce qu'il a dit sur BFM, on a eu 1800 milliards de dettes publiques. Si on imagine que ça va rien coûter à personne dans les 5-10 ans qui viennent, c'est du niveau Père Noël. Évidemment que ça va coûter, évidemment qu'il y aura 1200 à 1500 milliards qui vont disparaître en termes d'épargne privée dans cette période-là. La question est comment ? Ça sera avec des impôts, prélèvements, taxes, défauts, hyperinflation ? La question est là, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Ça laisse présager un bel avenir. La France toujours, l'État a grand besoin de votre argent, du coup il va mettre en place la vidéo-verbalisation. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça signifie que les infractions au code de la route seront repérées via les caméras de vidéosurveillance et les procès-verbaux dressés à distance sans interpellation du conducteur au moment des faits. C'est pas mal ça, non ? On continue, alors on reparle encore par rapport à Chypre, à ce qui s'est passé. Puisqu'on apprend qu'il n'est pas exclu qu'une nouvelle loi européenne prévoit la mise à contribution des dépôts bancaires de plus de 100 000 euros en cas de sauvetage d'une banque. C'est ce qu'a dit la Commission européenne, en ajoutant que les dépôts inférieurs à ce seuil resteraient épargnés. Autrement dit, l'exemple chypriote pourrait être mis en place pour chaque pays d'Europe. Alors sortez vos d'argent des banques, c'est ce que disait Nigel Farage dans sa dernière vidéo. Moi, je pense qu'il faut suivre son conseil. Et enfin, pendant ce temps-là, pendant que l'Europe patauge dans la crise, on a reçu John Kerry à Paris et il a déclaré « Il est important que nous avancions rapidement dans l'accord de libre-échange pour avoir un profond impact sur le monde. » Donc le piège est en train de se refermer sur l'Europe. Bientôt, très bientôt, oui, les médias de masse viendront, les pseudo-analystes viendront, les pseudo-économistes viendront, les hommes politiques viendront et viendront vous dire « C'est soit la crise, soit le traité transatlantique avec l'Amérique du Nord. Donc à vous de choisir. On retrouve donc Bruno. Bruno qui est devant la banque, on est boulevard Haussmann à Paris. Donc Bruno, ça fait la troisième fois que je te vois. Cette fois-ci, t'es à Paris. T'as changé, Lons-le-Saunier terminé. Ouais, Lons-le-Saunier terminé. J'ai gagné deux décisions du 6. Donc juste une fois, je monte à Paris. Donc je suis à Paris depuis trois semaines. Voilà. Bah, ça te change un peu hein, parce que Lons-le-Saunier, il y avait un petit peu de passage, mais pas beaucoup. Là à Paris. Ça dégomme là, hein, boulevard Haussmann. Ouais, ça dégomme, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui se sont sensibilisés, et puis il y a du soutien quoi. Ouais, t'as beaucoup de monde qui vient te voir par jour ? Ouais, à peu près 30 personnes par jour à peu près. Ouais. 30 personnes par jour ? Ouais. Ouais, c'est quand même énorme. Ouais, Parle-nous un petit peu du fait que tu as gagné le droit de manifester ici, que ce soit à Lons ou que ce soit à Paris. Parle-nous un petit peu de ça. Bah, le fait que j'ai gagné en appel sur le référé, déjà bon, le droit de manifester je l'ai eu, mais personne m'a dit que ce que j'avais sur mon panneau fallait l'enlever. Donc ce que je dis, c'est vrai. J'ai entendu parler que tu as pris des avocats à Paris maintenant. C'est-à-dire que j'ai pas pris d'avocats à Paris. C'est eux qui sont venus me démarcher. C'est des ténors du barreau de Paris. En fait, c'est les bêtes noires de la Société Générale, qui ont pris mon dossier en main, et qui veulent dénoncer au niveau national le système OSEO, l'escroquerie, quoi. D'accord. Et par contre, tu as toujours ton avocat, Lons-le-Saunier. Qui c'est qui s'occupe véritablement de ton litige avec la SG ? Trois avocats. Il y a deux avocats de Paris, puis un avocat de Lons-le-Saunier. D'accord. Et au niveau de la décision de justice, est-ce qu'il y a du nouveau ou pas du tout, c'est en stand-by ? Bah, c'est en stand-by, de toute façon c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein. De toute façon, y a aucune... Est-ce qu'il y a seulement une date pour passer en justice, pour que ton affaire passe enfin en justice ? Est-ce qu'il y a une date de, de,
de défini ? Non, aucune date. Rien du tout ? Non, rien du tout. Bon, et ici à la banque, comment ça se passe ? Les gens dans la banque, ils sont plutôt sympas avec toi ou pas ? Ben, quand j'ai décidé de monter à Paris, donc j'ai contacté la préfecture de police de Paris. J'ai fait une demande, donc j'ai fait mes papiers en REX. Il fallait faire la demande 72 heures avant. Donc quand je suis arrivé pour remplir les papiers, la Société Générale a appelé trois fois là-bas en disant qu'il y a Boulef 4 qui arrive, qu'ils avaient peur de moi et tout. Et le gars leur a dit mais il n'y a pas à avoir peur de lui, les papiers sont en règle et tout. Et quand je suis arrivé devant la banque le lundi en début d'après-midi, j'ai eu le comité d'accueil. Donc il y avait 6 vigiles devant la banque, ils commençaient à jouer les gros bras. Je commençais à mettre ma chaise, ils m'ont dit ben, vous reculez la chaise d'un mètre et tout. Et j'aurais dit vous savez ce qu'ils avaient à faire. Ils m'ont dit non. J'ai dit les mecs comme vous, j'en ai grillé 9 à l'once. Donc après les RG sont intervenus et ils ont dit vous laissez Boulef 4, il est en règle, s'il arrive quoi que ce soit on intervient. Voilà. Première journée, bon, il neigeait plein temps. Deuxième jour, j'ai eu le malheur de m'absenter 10 minutes pour aller aux toilettes boire un café. Je suis revenu, ma chaise était cassée, mon panneau, mon parapluie, ils m'ont tout cassé quoi. C'était pour m'intimider, mais bon, ça m'a pas intimidé. Hein. Je suis redescendu à l'once, j'ai fait faire des panneaux, mais je les ai pris en alu cette fois. Ouais, c'est du pare-balles. Double utilisation, voilà. Impeccable. Donc du coup t'as plus de chaise du tout. Tu restes debout toute la journée. Ouais, je reste debout toute la journée. De toute façon, je lâcherai pas, c'est clair. Ok. Est-ce que t'as des échos un petit peu de l'once? Comment ça se passe? Est-ce que ils ont été soulagés de ton départ ou comment ça? Est-ce que t'as des échos par rapport à ça? Bah, ils sont soulagés, non, parce qu'ils savent pas. Je suis imprévisible. Hein. Je peux être à Londres, je peux être à Paris. Ils savent que dans tous les cas, j'ai le droit. Donc je peux faire ce que je veux. Ok. Donc on en est à combien de jours? 300. 320. 320 jours. 320, ça va bientôt faire un an que tu campes devant les banques. Ouais. Bon, j'espère pour toi que ça va se dénouer assez rapidement quand même. J'espère que tu vas aller au bout, j'espère que tu vas gagner. Gagner, je sais pas, mais de toute façon je bougerai pas, c'est tout. Bon, c'est ma dignité, mon honneur, j'irai jusqu'au bout. Hein. Après ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire durer, ils font durer, hein, je m'en fous. Ouais, ça risque de durer un petit peu à mon avis, ils vont te pousser. Bah, ils font comme ils veulent, moi ça me dérange pas. Merci Bruno. C'est moi, merci. Voilà, écoutez, pour cette émission un petit peu spéciale devant la banque avec Bruno. Bruno, je te remercie de ta participation. Je te souhaite bonne chance. Merci à toi. Je reviendrai te voir si tu es encore là. Peut-être pour un an, j'aurai soufflé tes bougies avec toi. J'espère. Bon, ok. En attendant, restez informés. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.